aqui de para tudo o crossover da nossa linha do Copacabana. Sim, porta da solidariedade internacional e a exigência do futuro melhor para a geração a venir. Ils s'inscrivent dans les luttes multiples qui se font dévoiler dans tout le pays. Ils s'inscrivent dans les mobilisations engagées face aux échecs des politiques d'austérité, les mobilisations liées aux débats économiques et sociaux, et en particulier la réforme des retraites promulguée par Jupiter, qui a sa monarchie présidentielle. Que le forcené de l'Élysée a promulgué la loi après que le Conseil constitutionnel soit venu à son secours pour tenter de sauver ce qui reste de la Macronie. 9 sages ayant pour salaire chacune et chacun 13 500 euros par mois et qui demande au peuple de travailler 2 ans de plus. Jupiter qui teste ses concitoyens, les méprise. Tant de coups de force sur coups de force. La validation de la loi pour le Conseil constitutionnel et sa promulgation ne rendent pas ce texte plus acceptable. Cette loi demeure illégitime. Depuis plus de 3 mois, 8 Françaises et Français sur 10 sont contre cette réforme. Depuis plus de 3 mois, les travailleurs et travailleurs s'inscrivent à la grève, reconductiblement, pour faire plier le gouvernement. Depuis plus de 3 mois, des millions de Françaises et Français manifestent pour s'opposer à cette réforme. Le président ne veut pas être contredit et son propos a été tellement creux que même les journalistes les plus serviles auraient posé des questions qui fâchent. Donc, il préfère être tout seul pour ne pas être contredit, pour rester dans ce monde imaginaire. C'est une illustration de son état d'esprit. Le même qui le guide sur la réforme des retraites. Un président de la République qui reconnaît gouverner contre son peuple. Quel drame, quelle déchéance, les 5 jours d'apaisement souhaités par le président doivent être 5 jours de bouillonnement revendicatif. La fracture avec les citoyens s'aggrave de jour en jour, et pourtant, Emmanuel Macron et ses acolytes font comme si de rien n'était. Cela ne peut pas durer. 70% des Français jugent Emmanuel Macron est un mauvais président. 65% d'entre eux le trouvent brutal. 80% pensent qu'il n'est pas ouvert au dialogue. 82% pensent qu'il n'est pas proche des préoccupations des Français. Cette réforme est antidémocratique, on ne tournera pas la page. Donc, on continue la lutte jusqu'au retrait. Allons chercher le point de rupture et on verra.